Dans l'après-midi, Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur, a redit qu'il ne composerait pas avec le terrorisme. Il répondait à une question de Nicolas Alfonsi qui s'adressait au nom du Parti Socialiste. C'était lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Pascal Guimier. Vous connaissez les terroristes, mais est-il indispensable de l'affirmer? Est-il nécessaire de le dire, si en même temps ceci nous nargue? Là où une analyse rigoureuse de la complexité corse serait nécessaire, là où la Corse exigerait rigueur, détermination et discrétion, on ajoute à la confusion en faisant des variations sur la place publique. Que me reprochez-vous? Qu'avez-vous l'air de me dire? Ce que j'ai déclaré aux Corses, c'est simple. Je leur ai dit qu'un pouvoir démocratique ne repose pas sur l'action des CRS et des forces de police. Il repose sur le soutien populaire. J'ai donc appelé les Corses, comme nous avons appelé toute la population de France, à coopérer avec les services de police pour mettre hors d'état de nuire ceux qui utilisent la force et la violence pour imposer leur point de vue contre les lois de la République. Nous n'amnistierons jamais de terroristes. Nous n'engagerons jamais aucune conversation avec eux. Nous les combattrons ou nous les mettrons hors d'état de nuire.